Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonsi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangu tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol, au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour positionner, repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23, parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangu, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a une chose ? L'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité Moko, to babeti lisa si congolais Mouakoufi. Moko, pas deux, Moko. Je réunis la chambre, les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, il faut de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités au jeu de Bobangaté. Les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuit. Ça, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrypt Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est comme ça que chaque matin, chaque midi, chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on commence ces émissions, nous disons que le décrit info est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Pero Luwara, je suis journaliste, je ne suis qu'un simple journaliste et j'aime bien le dire, le redire, le réitérer pour que ça rentre suffisamment bien. Et je suis initiateur de cette chaîne CPL Télévision que vous regardez et que vous êtes nombreux, alors très nombreux, à apprécier. Parce que je reçois des appels de partout, surtout quand on s'absente. Croyez-moi, c'est pas facile. pas besoin, nul n'est besoin de venir étaler des difficultés, des problèmes ici, mais j'ai toujours dit que si ça ne dépendait que de moi, si ça ne dépendait que de moi, j'aurais été l'homme le plus heureux d'être ici tous les jours, de faire plusieurs émissions à la fois, parce que le bonheur, le vrai bonheur, je le trouve quand je suis sur le plateau, quand je suis en contact avec vous. C'est des moments magiques, c'est des moments extraordinaires que je passe avec vous, à votre contact, et ça me permet vraiment de me sentir bien, parce que on ressent la chaleur, l'amour, et on ressent cette croyance, cette confiance que des milliers de personnes ont sur nous. Et moi, ça me fait énormément plaisir. Nous sommes lundi aujourd'hui. Je voulais vous souhaiter à vous toutes et à vous tous une très très bonne semaine. Je sais que pour les Congolais qui aiment leur pays, ceux d'entre nous qui aiment leur pays et qui nous regardent, je sais qu'on passe des moments très très difficiles. Surtout qu'il y a une sorte d'activisme qui prend de plus en plus corps sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je suis d'accord, je suis heureux de constater cette prise de conscience et cet activisme qui monte. Mais je le dirai au travers de cette émission, le seul problème que j'ai contre tout ça, c'est que j'ai l'impression, comme je l'avais dit lors de ma dernière émission, et puis je vais encore aller un peu plus en profondeur en évoquant certains points encore aujourd'hui, le seul problème, le seul malaise que j'ai, c'est que cet activisme-là est orienté vers des mauvaises cibles. Cet activisme-là s'est fait sur base d'une très mauvaise analyse. Malheureusement, on est en train de rébeloter. On fait les mêmes choses, on fait les mêmes plaintes, on refait la même chose, les mêmes erreurs. C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué qu'aujourd'hui, un certain nombre d'incompétents, un certain nombre de personnes se cachent derrière la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Une situation par-dessus tout qu'ils ont eux-mêmes corsée, qu'ils ont eux-mêmes fabriquée, qu'ils ont eux-mêmes créée. Ils veulent aujourd'hui se donner la peau des saints, ils veulent se victimiser et vous amènent, vous poussent vers le charbon, comme des chairs à canon, en vous montrant des faussetés, en usant et en surfant sur cette sensibilité-là pour vous faire avaler des couleuvres, si je peux le dire comme ça. C'est malheureusement ça le constat amer que moi j'ai fait. Et ce constat fait que cette situation-là n'arrive pas à trouver une vraie solution. Malheureusement, malheureusement. Je parlerai de ça et d'autres questions importantes dans l'émission d'aujourd'hui. Je voulais vous souhaiter donc bonne semaine à vous tous et priez que vos voeux le plus profond s'accomplissent cette semaine, que vos projets les plus ardents se réalisent. En tout cas, semaine malamu na bino soto bozili baku malamu akola na biso na pokwa lelo. Kimieza na mabota na bino, santé de fer na mabota na bino. En tout cas, kimia boboto boneko bolingo nyonso tuya oya malamu na souhaité bino yango semaine mobimba oyo. Je rappelle ici que Décrypt Information eli magazine d'opinion. Bisiko wapi tozwaka makambo eko etali etamboleli ya mboka lolenge mboka ya kotambola toyi yango toyi komanyola yango kopesa yango zela na lolenge biso tokomona pe na lolenge biso tokobanza makambo yali awa te ke toali na ndako ya Nzambe moto nyonso toya loba iyo e amen te yali bongo te toali awa toali na place bato bali kokanisa bali kobanza pe kopesa makanisi na bango lolenge na bango kobanza pe lolenge na bango komona kotala makambo yali na mboka. Donc, et sengite moto bimisa mopanga na ye, moto bimisa likonga, to moto alata lingwanda, po ya kofu bimisa bitumba, yo lobaki, toko beta yo, toko boma yo, eli makambo bitumba ya makanisi, eli makambo bitumba ya mabanzo, donc ngai na banzi ete. Lingala ngokitoko, ngai na banzi ete. Donc, eli makambo akoswa na kate. Totika mamboso na de côté tulunga mamboso na tochango musika tokanisa topesa makanisi pe tobanza ndenge nili tokopusa mboka na biso ngai na lobite makambo na koloba eli évangile eli liloba Nzambe te na lobi yango te na lobite ke bino wali bandimi ya paroisse na ngai soki nga na lobi bino lobi oui papa sango ezali bongo te na lobi tala likambo yali boye mais na kati ya likambo boye nga na moni boye. Soki yo po moni bongo, tu respectes point de vue, tu peux respecter point de vue, les Kamba passent à l'inde que bateau, ba respectation point de vue, ba ningate, ba komemango na mafinga, ba komemango na bitumba, ba komisaka ba meli, là ce n'est pas bien, ce n'est pas du tout bien. Donc Boye Malamu, 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. Je vous avais dit que j'avais appris. Désormais, je commence avec mes 2-3 choses avant de pouvoir aller dans l'émission pour que vous ne me teniez pas à rigueur en me disant que j'ai pris 30-40 minutes alors que moi, je croyais entrer les gens dans l'émission. La première des choses, c'est de vous demander la main sur le cœur de pouvoir vous abonner. Abonnez-vous massivement, chers frères et chères sœurs, à la chaîne YouTube Nabiso, CPL Télévision. Vos abonnements, j'ai toujours dit, et ali lo lenge moko oyo bali ko témoigner biso soutien na bino. Lo lenge moko bali ko témoigner biso amour na bino. Nathalie Sousa avant la bande émission, on a 112 000 abonnés et ça mokete ali belé. Mais je pense qu'on peut faire mieux et on peut aller au-delà. Donc regardez la personne qui est avec vous. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui s'il vous plaît de pouvoir s'abonner. C'est une manière pour vous de nous booster, c'est une manière pour vous de nous donner de la force, c'est une manière pour vous de nous témoigner votre soutien et votre amour. Et nous, ça nous touche, ça nous fait énormément plaisir. Donc, ce que vous avez abonné, à s'abonner à CPL TV, à YouTube, ça me fera beaucoup de bien. Nous sommes aussi sur beaucoup d'autres plateformes des réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Pero Luwara officiel, là c'est donc ma page officielle, il y a Facebook, Pero Luwara officiel. Je suis aussi sur X, c'est Pero Luwara 1, ou alors sur TikTok, c'est Pero Soutré Luwara. Allez vraiment vous abonner là-bas, nombreux, moi ça me touche et ça me fait énormément à plaisir. La deuxième des choses que j'allais vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Ça aussi c'est très important parce que ça nous met à l'abri de certaines actions de malfaisance. Il y a moté mamabé, il y a moté mamalamoté. Et si quelqu'un surtout boali, ce qu'on a en abonné na na chaîne na qu'est-ce que je veux dire? Et si quelqu'un surtout boali talabiso, likez la vidéo, donc aimez la vidéo et partagez-la pour nous permettre de nous mettre à l'abri. Yamute mamabe, pe yamakambo oyo, ba dongolomiso, ba sepelara makambo togolobate, ba koyiko ça la contrebiso. Donc likez cette vidéo et partagez-la. La troisième de chose, c'est de vous demander d'appeler notre ami Judith Londolé Betokos. Judith Londolé Betoko Betoko Lilo Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoko Kitoko. Judith est donc notre partenaire très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle la Londoloise. Elle est spécialisée en habillement homme. Regardez d'ailleurs les photos que vous voyez, c'est la collection de vestes qu'il y a chez notre amie Judith Londolé. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Veste, chaussures, cravate, chemise, montre, cinglet, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. N'hésitez pas une seule seconde, appelez donc notre amie Judith Londolé Betoko, qui est donc patronne de la boutique La Londoloise. Partout où vous êtes à travers le monde, Judith se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer vos commandes partout. Moi, je connais des gens qui commandent des partout et qui reçoivent en toute sécurité et en toute sérénité leurs marchandises. S'il vous plaît, appelez donc notre amie Judith Londolé Betoko, passez vos commandes et moi ça me fera énormément à plaisir. Judith Londolé Betoko est joignable au numéro plus 33 61 50 41 259. Judith est joignable au plus 33 61 50 41 259. Oh non, non, ça c'est pas les numéros de Judith. Je me suis trompé. Judith est joignable au numéro plus 33 62 60 70 772. 772, voilà. Plus 33 62, 60 et 70, 772. C'est donc le numéro via lequel vous pouvez joindre notre amie Judith Londolé Betoko Betokos. Allez, on rentre sur ce plateau pour effectivement commencer cette émission. Aujourd'hui, j'ai vu une sorte de révolte à Kinshasa, une sorte de prise prise de conscience de certains de nos compatriotes, de certains des gens qui aiment le Congo sur les réseaux sociaux et ailleurs. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo retient de plus en plus l'attention de beaucoup de personnes. Et là, depuis hier ou avant-hier, nous assistons à des manifestations parfois très violentes, notamment contre les diplomates, les ambassades. De certains pays ont été pris d'assaut, ont été attaqués par les Congolais. Et la plupart de nos stars, nos footballeurs, d'ailleurs le geste en demi-finale contre la Côte d'Ivoire de Léopard, en est une illustration, j'en parlerai dans cette émission. Je reviens encore aujourd'hui sur la situation sécuritaire dans l'Est avec les derniers développements. Je parle de la mise en place des prochaines institutions avec la nomination de l'informateur et des choses là, et j'espère que j'aurai le temps pour parler de toutes ces choses-là. Mais avant de commencer cette émission, j'ai quand même été malheureux, très très malheureux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette actualité à Kinshasa de cette infirmière qui est décédée à l'hôpital, je crois que c'était à l'hôpital Mamayemo, après qu'elle s'est vue être refusée en Galiema, on l'aurait amenée à Mamayemo, elle devait accoucher, elle était infirmière et elle est décédée. Ça fait beaucoup de mois à Kinshasa. Je sais pas, j'ai vu un compatriote qui passe sur TikTok diffuser la photo et raconter l'histoire. Suivez d'abord cette histoire, on revient et puis je vais dire deux, trois mots là-dessus avant de continuer cette émission. Tolanda. Une infirmière qui était allée accoucher est morte suite à une négligence de l'hôpital de référence ex-Mamayemo et le ministre a suspendu le centre hospitalier Akram Delimete Salongo. Je t'explique ce qui se passe. D'après l'ordre national des infirmiers, notre sœur Annie Chidibi, qui était à terme pour accoucher, était hospitalisée au centre hospitalier Akram et quand il a fallu la transférer à la clinique Ngaliema, elle n'a pas été accueillie. Et notre sœur a malheureusement perdu la vie à l'hôpital de référence de Kinshasa ex-Mamayemo suite à une négligence de la part du personnel de l'hôpital, nous informe le ministre Kamba, car elle était restée pendant plusieurs heures sans secours. Et tous les médecins et infirmiers qui sont impliqués dans cette négligence sont suspendus de leurs fonctions et devront être radiés de l'ordre des médecins pour négligence et non-respect de la gratuité de l'accouchement qui a entraîné la mort de notre sœur et un dossier disciplinaire est ouvert contre eux. Tandis que le centre hospitalier Akram ayant pris en charge notre sœur pendant 2 semaines sans en avoir l'habilité est provisoirement fermé. Le ministre met en garde tous les hôpitaux qui refusent d'accueillir les personnes ayant besoin de soins en urgence. Il n'y aura plus de tolérance. Malheureusement, le bébé n'a pas survécu et nous avons perdu notre sœur. Nos condoléances à la famille. Merci au ministre. Retour sur ce plateau. Là, vous venez donc de suivre un peu cette petite histoire. Je voudrais ici la main sur le cœur, exprimer ma compassion, ma solidarité et mes condoléances à la famille éprouvée par cette situation très compliquée de notre sœur qui était infirmière de profession et qui est morte dans les couloirs de l'hôpital Mamayemo parce qu'elle n'a pas été prise en charge. Comme vous l'avez vu, j'ai appris que le ministre de la Santé aurait pris un certain nombre de décisions pour condamner tout ça, tout ça. Mais vous l'avez suivi dans cet élément. Ceci est tout simplement la preuve des décisions alambiquées, populistes, qu'un homme prend au sommet du pays en toute irresponsabilité et en toute inconscience. Batouba assisté na liwa ya ndeko mwasi oyo, ils vous disent que ça c'est le problème de soi-disant la maternité gratuite. Parce qu'un homme, après avoir mangé sa tiva, son foufou, après avoir pris sa tiva et sa tembo, se réveiller un matin, ivre de tout ça, il a décidé comme ça, sans réfléchir, sans aucune organisation, sans aucune élaboration des mises en œuvre, il a dit que la maternité sera désormais gratuite en République démocratique du Congo. Il pose problème aujourd'hui. Mais à suivre cette vidéo, vous entendrez clairement, ou bien à suivre les réseaux sociaux sur ces cas malheureux, que ceci est tout simplement la conséquence de cette affaire de la maternité gratuite. Mes chers frères, vous me donnerez raison, et je suis sûr que vous m'en donnez déjà. La gouvernance actuelle de notre pays est une malédiction. Ceux qui nous dirigent à l'heure où je vous parle n'ont aucune idée, aucun idéal, aucune vision de ce qu'ils veulent faire de ce pays-là. Et je vous répéterai jamais assez que notre responsabilité comme citoyens, notre responsabilité comme peuple, c'est de nous lever et de demander à ces incompétents et à ces jouisseurs qui sont au sommet de notre pays de pouvoir quitter. Nous ne ferons pas ça. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Nous n'aurons que nos joues pour accueillir les larmes qui couleront de nos yeux. Posez la question à la personne qui vous a dit que la maternité doit être gratuite. Combien d'hôpitaux a-t-il construit en 5 ans? J'ai vu aujourd'hui qu'ils sont en train tous de faire des bruits sur Mama Yemo, un projet qui existait déjà. Ah, Basuko, Bazotonga Mama Yemo, Bazotonga Mama Yemo. Mama Yemo qui sont en train de construire aura la capacité de combien de lits? Mama Yemo qui sont en train de construire, aura-t-il des médecins suffisamment motivés? Bénéficiera-t-il d'un système de prise en charge médicale rénové? Une chose est de crier comme ils sont en train de crier. Mes chers frères, le Congo est sérieusement malade. Nous sommes sérieusement malades. Nous avons besoin des réformes en profondeur. Nous avons besoin des solutions en profondeur. Pas des solutions conjoncturelles. Moi, conjoncture, on veut impressionner les gens. Non, 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 non. Nous avons besoin des réformes structurelles. Nous prenons notre structure de prise en charge médicale, notre système de santé. Nous analysons correctement. Vous avez des médecins qui ne sont pas correctement formés. Nos universités qui nous sortent aujourd'hui des pourritures. Des gens dont on ne peut pas faire confiance. Regardez comment les gens sont en train de mourir. Vous avez des infirmiers, des médecins qui sont même incapables de prendre une prise de tension. Aïe, éviter. Il rate sa prise de tension. Mais à la rouge blanche, abimi, on abimi na université telle, n'abimi na université telle. Je suis médecin. Il est incapable de faire une prise de tension. Vous avez des médecins qui ne sont pas alignés si ce n'est pas ordre. Donc il y a beaucoup de choses. Il ne suffit pas de se réveiller, de prendre sa chivas et sa tembo et de dire je lance une maternité gratuite. Si quelqu'un aime le Congo, il doit s'asseoir, il dit nous sommes malades. Nos établissements médicaux publics sont sérieusement malades. Quelles sont les réformes importantes que je dois mener? Y a-t-il des faux médecins qu'il faut écarter de l'ordre? Y a-t-il des médecins qu'il faut régulariser? Y a-t-il des... Tout ça, ça demande un travail intellectuel que ceux qui sont aujourd'hui au pays n'ont pas. Ils n'ont pas ce temps-là. C'est des petits jouisseurs. C'est des petits jouisseurs. Ils n'ont pas ce temps-là. Maintenant, pour se tenter de se donner une bonne figure, il se réveille un matin, il vous pompe comme ça, il vous lance des décisions de manière alambiquée. Maternité gratuite. Ça, quel sens? Maternité gratuite. Est-ce qu'au Congo, nous avons eu un problème de maternité? Est-ce que la décision de la maternité gratuite résulte-t-elle d'une réflexion qui nous a amené à croire que nous avons des problèmes de maternité, d'accouchement, qu'il va falloir le rendre gratuit? Tout ça, il faut réfléchir. Mais qui a le temps pour ça? Cette pègre bruxelloise qui passe son temps à boire et à parler des histoires des copines et des femmes qu'ils ont laissées en Belgique et tout ça. Qui passe son temps à chercher Copezap et Mongezap. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils se sont réveillés un matin ici, ils vous ont dit gratuité de l'enseignement. Gratuité de l'enseignement. Vous êtes à Kinshasa, posez la question. Est-ce qu'aujourd'hui à Kinshasa, il y a gratuité d'enseignement? Dans quelle école? Allez à Bosembo, allez à Elikia, allez à Bosangani, allez à Boboto. Est-ce que les enfants sont en train d'étudier gratuitement? Est-ce que les enfants sont en train d'étudier gratuitement? Seulement parce qu'il fallait une décision comme ça. Sans aucune réflexion. Sans... Non, 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 non. Moutalali a Amélie Massanga décidé. Le lendemain matin, on se retrouve avec des écoles, classe Moroyamouké, comme mon petit studio ici, 50 élèves. Il n'a pas construit d'école, ils n'ont pas fabriqué de bancs, ils n'ont pas amélioré la condition, il dit gratuité de l'enseignement. Les écoles se sont retrouvées surchargées, et aujourd'hui, on ne peut plus parler de la réussite de cette affaire de la gratuité de l'enseignement. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Le problème, mes chers frères, le problème, c'est l'incompétence, c'est l'insuffisance des personnes qui sont à la tête de votre pays. Il ne suffit pas de se réveiller un matin et de se dire gratuité de l'enseignement et maternité gratuite. Mais cette affaire de maternité gratuite, avons-nous évalué combien elle va coûter au trésor public? Avons-nous évalué comment la République va-t-elle amortir le choc de ces surplus-là? Avons-nous est-ce qu'ils se sont posés ces questions-là? N'oubliez pas qu'il s'est réveillé un matin, il vous a dit qu'il va mettre en place un système de santé universel, je crois. Un système de santé universel. Comme si c'est dans sa tête, il pense qu'il peut se réveiller un matin comme ça, il dit bon, on fait un système de santé universel. Nous en sommes où? Vous pensez que tout l'argent que ces gens qui sont au pouvoir sont en train de détourner, si on les avait canalisés, le 1,2 milliard de dollars qu'ils ont volé dans cette histoire des élections bâclées, les 600-500 millions de l'affaire Sanjour, l'affaire Tchilé-Gelou, le plus de 100 millions volés dans l'affaire Cominière, tous ces millions de dollars, que ces jouisseurs, que cette pègre bruxelloise détourne au vu et au su de nous tous. Vous pensez que si on était sérieux, avec une gestion orthodoxe, complètement canalisée vers les intérieurs communautaires, nous en serons là où nous sommes aujourd'hui? Je ne suis pas d'accord. On aurait pu voir les choses s'améliorer dans notre pays. Le malheur que nous avons pour ce pays-là, c'est que vous avez une bande d'incompétents, des jouisseurs, des petits voleurs, qui considèrent la gestion de la République comme une affaire des copes, qui ne pensent pas que avoir la chance d'être au sommet de son pays, avoir la chance d'avoir des fonctions pour son pays doit être considéré comme une sorte d'apostolat. Non. Non. Ils ont transformé la gestion de la République à une affaire des COP où tout se résume en des COP. N'en reçoit combien? Et ils trônent sur un pays avec un peuple totalement absent et amorphe. Un peuple amorphe comme du jamais vu. Je vous ai dit, j'ai une de mes grandes amies. C'est d'ailleurs la seule et la meilleure amie que j'ai qui, elle se reconnaîtra, elle est à Paris, qui me disait, mais tu vois ton histoire, je vous ai dit ça d'ailleurs la dernière fois, ton histoire de dire que le peuple, c'est comme si tu attaquais les gens, tu es en train de choquer les gens, t'as pas besoin de choquer les gens. J'ai dit, mais attendez, pourquoi vous ne voulez pas que nous regardions la vérité en face, que nous puissions nous dire la vérité? La vérité, c'est que vous avez une classe politique pourrie, des gens inutiles, inconscients, irresponsables, une sorte de voyoucratie, de la bandicratie installée au sommet de votre pays. Mais ils profitent de quoi? Ils profitent de la naïveté de ces peuples. Ils profitent de la naïveté de ces peuples qui peuvent manipuler à souhait. Un peuple inconscient, irresponsable. Dire ça, c'est de ne pas choquer les gens. Nous sommes responsables de nos malheurs. Nous méritons ce qui nous arrive, nous, Congolais. Nous sommes responsables de nos malheurs. Aujourd'hui, ils sont dans la rue en train d'attaquer les ambassades. Qui les a envoyés attaquer les ambassades? Le responsable de leurs problèmes, le responsable de leurs malheurs, se cache derrière certaines choses, instrumentalise ce peuple-là, qui ne fait aucune analyse et qui décide aujourd'hui de sortir dans la rue pour attaquer les ambassades, pour attaquer les diplomates, pensant résoudre un problème. Leurs vrais ennemis sont en train d'attiser le feu et leur demandent d'aller attaquer les ambassades. Ah, je ne dis pas que ces ambassades sont innocentes, mais je dis que cette opération mal orientée est issue d'une mauvaise analyse, qui ne vous permettra jamais d'avoir une solution à ça. Je vais le démontrer dans les minutes qui arrivent. Je vais le démontrer dans les minutes qui arrivent. Nous sommes responsables. Nous méritons ça. Nous méritons ce qui nous arrive. Un peuple n'a des autorités qu'il mérite. Nous méritons ça. Biso ba warrior, ba spiritas, ba nani ba gaulois, ba kofifil, ba kofiette. Tozalaki à Léopard, hé Léopard, hé Léopard, hé Babimi Nanzela, Coupe d'Afrique et Syrie, Tozongil ba problème na biso. On peut se mobiliser pour les léopards. On peut se mobiliser pour remplir les stades de Fally Ipupa, de Ferregola. On peut se mobiliser pour accompagner héritier au point de sortir même les épées. On remplit nos réseaux sociaux de bêtises. Je vous ai dit, la semaine passée, même aujourd'hui ça continue. Nati a dit. Je regarde parfois ces choses avec larmes aux yeux, je dis, mon Dieu, quel peuple nous sommes. Quel peuple nous sommes. Nous méritons amplement ce qui nous arrive. Et aussi longtemps que nous ne prendrons pas conscience de qui nous sommes, de ce que nous voulons exactement de notre pays. Aussi longtemps que nous ne serons pas exigeants à l'encontre de ces voyous qui sont au sommet de notre pays. Nous ne serons pas capables de leur imposer les choses, d'exiger des choses. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Nous serons dans la situation des esclaves qui ne méritent pas qu'on s'apitoie sur leur sort une fois qu'ils, dès lors qu'ils ne décident pas de se révolter. Nous méritons ce qui nous arrive. Nous méritons ça. Nous méritons ça. Je n'arrêterai pas de vous dire ça. Même si ça choque les gens. Regardez mes chers frères. Ils vous ont organisé des élections chaotiques. Ils ont compliqué la situation dans votre pays. Ils vous ont ramené la guerre dans l'Est de la République. Ils vous détournent. Ils vous volent. Ils vous volent. Mais à l'heure où je vous parle, ils sont loin de se préoccuper de vos problèmes, de vos soucis. Ils se battent pour se positionner par rapport à des nouvelles institutions frauduleuses qu'ils veulent mettre en place. Quand vous avez un président du Sénat, deuxième personnalité de la République, dauphin constitutionnel du président de la République. Donc, si un problème lui arrivait aujourd'hui, c'est Bahati Lukwebo qui, normalement, doit les remplacer sur le plan de la Constitution. Loin de se soucier de l'intérêt supérieur de son peuple, ils sont là en train de danser, en train de boire et en train de se rentrer dedans pour des questions de postes. Alingaï Bangaba député, Alingaï Bangaba boyé. Tout leur intérêt aujourd'hui, c'est l'affaire des députés. J'aurai combien de ministres? Mais vous avez déjà eu des ministres. Ils organisent même des conférences devant caméra pour parler de ces choses et pour danser. Regardez. Et on se retrouve après pour continuer. Tolan. Ils peuvent venir récolter là où ils n'ont pas semé. Tous ceux qui veulent détourner nos députés. Et ils ont déjà commencé, vous avez suivi. Quelqu'un fait un communiqué pour dire qu'il invite les députés de moins de 50 ans. Mais est-ce que ces députés lui appartiennent? Est-ce que ces députés-là lui appartiennent? Au lieu d'inviter ses propres députés s'il en a, non, il dit non, j'invite tous les députés de moins de 50 ans pour préparer ma réélection. Ah bon? Mais ça c'est dangereux. Ça c'est violer la Constitution, c'est violer les lois de la République. Qu'on ne s'y trompe pas. L'heure de la révolution est passée. Où on tolérait qu'il y ait transhumance, que les députés quittent leur parti et regroupement allègrement. Maintenant, on est revenu à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire que chaque député, chaque sénateur doit rester dans sa famille politique. S'il quitte, on applique la Constitution en son article 110, alinéa 10, qui dispose que tout député, tout sénateur qui quitte délibérément son parti ou son regroupement au sein duquel il a été élu, il perd le mandat. Allez, on est de retour sur ce plateau. Vous venez là donc de suivre le président de votre Sénat, la chambre haute du Parlement. Ils sont dans une sorte de guéguerre. Hey, tu as invité les députés de moins de 50 ans. Nous ne voulons pas ces histoires-là. Ils sont en train de se disputer, alors où je vous parle, des questions liées à la députation, des questions liées au positionnement. Tel veut arracher les députés de l'autre, tel autre veut arracher les députés de l'autre. Pendant que la République est en crise, les amis, nous courons un grand risque. Notre inconscience, notre irresponsabilité commence à agacer le monde. Le monde va commencer à se rendre compte que nous sommes incapables de gérer ce pays-là. Les gens vont en avoir marre de nous. Et la solution de la balkanisation va de plus en plus s'imposer parce que notre inconscience va agacer l'humanité tout entière. Notre inconscience va agacer l'humanité tout entière. La conséquence, c'est que les tenants de la thèse de la balkanisation, parce qu'ils sont nombreux, chaque jour qui passe, ils voient leurs arguments gonfler. Vous ne pouvez pas prendre des gens inconscients, irresponsables, comme nous les Congolais, là, leur laisser un pays de 2 345 410 km² de superficie. L'objectif est de montrer à la face du monde que nous sommes incapables de gérer ce pays-là. Malheureusement, nous sommes, chaque jour, nous démontrons notre incapacité à le faire. Vous allez le faire avec qui? Avec El Mouta Ngeleka, avec Bahati Lukwebo, avec Vital Kamerhe, avec qui? Vous allez le faire avec qui, mes chers frères? Regardez-moi en face, dites-moi. Quand vous regardez Félix, la tête de Félix, vous pensez que nous pouvons avoir la solution avec ce monsieur? Quand vous regardez la tête de ce monsieur, vous pensez que le Congo peut s'en sortir avec la gouvernance actuelle? Vous pensez que ce monsieur a une idée de ce qu'il veut faire de ce pays-là? Vous pensez? Aujourd'hui, Tonal Tolamouki, Kabuya, Augustin Kabuya, informateur. J'en parlerai si je l'étais. Kabuya. Dans un pays où l'Augustin Kabuya commence à devenir informateur. Donc demain, on peut se réveiller Kabuya, premier ministre du Congo. Augustin Kabuya. Attends. Et à un moment donné, je regarde, je dis, mais attends, on est sérieux dans ce pays-là quand même? On est sérieux? Vous êtes fiers dans votre pays. Attends, on est sérieux. C'est quand même le pays de Patrice Lumumba. Regardez comment on est en train de perdre, mes chers frères. Regardez d'où nous venons. Regardez d'où nous venons, mes chers frères. Touti wapi. Touti na bakasavu ba Lumumba ba ileo. Ba Chombe. Ba Tshisekedi ba Mobutu. Baliaou. Chaque jour, Tozokita. Tozokita. Toyekoya na parlement yaba Lokondo. Yaba Delice Sanga. Yaba Bochab. Après Toyekoya parlement yaba Daniel Issafu, yaba Lelo. Parlement au coup, c'était mieux. Il y a tenté au. Oh, mes chers frères, ça va être pire. Un parlement, vous n'avez pas de liste sangue, vous n'avez pas le condo. Des gens qui, pour la plupart, faisaient le ménage en Europe. C'est du boulot, hein. Je respecte, hein. Je n'accuse pas, je n'insulte pas ceux qui font le ménage en Europe. Que ça soit. Que les choses doivent être claires. Mais vous pensez que on peut quitter les rues de Bruxelles parce qu'on est proche de Denise, de El Mouta Ngeleka ou Ngeleka. On n'a aucun diplôme, on n'a aucune idée du pays parce qu'on a été proche de El Mouta Ngeleka. On est bombardé comme ça, député. Attends, le pays, on est en train de. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce qu'on se rend compte que nous sommes en train de perdre le pays? Mokezo Okende. Respect à nos compatriotes qui se réveillent le matin et qui font du travail en Europe. J'ai toujours voulu mettre des bémols. stratégie là-bas. Ah, Asingi diaspora, ah, Asingi boy. Je ne parle beaucoup de respect à nos compatriotes qui font vivre le pays. Agola Mukatongo, il fait son ménage, Sokaza femme à Salaka ménage à tel endroit, Sokaza la préparation des commandes, il va faire sa préparation des commandes à gauche et à droite, sa vie, Aza organisé en haut. Je suis très fier de nos compatriotes qui se battent en Europe. Mais vous pensez que nous méritons que des incompétents et des jouisseurs, au nom de leurs affinités basées sur aucune expérience, sur aucune intelligence, aillent ramasser la racaille de leurs amis en Europe là-bas et les amènent là-bas, le bombardent à de grandes fonctions. Au nom de Chivas Natembo, respect à vous, mon compatriote de l'Est, et plutôt de la diaspora. Mettons les choses dans leur contexte, contextualisons les choses. Parce qu'ils sont capables. Hey, Pero a fini la diaspora. Hey, Pero, ils sont capables. Beaucoup de respect à ces compatriotes qui font un travail énorme et qui permettent à nos soeurs et à nos sœurs, à nos frères qui sont au Congo de vivre, il n'y a pas si hiver. Tout ça, c'est à cause de cette pourriture qui est au sommet de votre pays. Vous venez de suivre Bahati. Moutakozaba député nangaïté. Moutakozaba nani nangaïté. Moutakozate. Mais quand est-ce que vous êtes là à réfléchir sur le pays? Quand est-ce que vous allez prendre à bras le corps les besoins urgents de votre peuple? Quand est-ce que la conscience va revenir dans vos têtes, vous, nos autorités? Quand il faut passer tout votre temps à se disputer comme vous êtes en train de se disputer pour de l'argent. Regardez comment ils vous ont distrait. Ils ont tenté de surfer sur la vague des léopards. J'adore le football, moi. J'étais à fond derrière les léopards. Parce que même si l'incompétent Escarmouche alias Ngeleka, El Mouta, voulait récupérer la situation, politiser l'affaire. Il voulait politiser le football. Les léopards nous ont honorés ici. Je tire mon chapeau aux fauves congolais, les léopards de la République démocratique du Congo. Ils nous ont valablement représentés. Fiers de vous, les gars. Vous avez vendu l'image de ces pays mieux que cet incompétent jouisseur d'El Mouta Ngeleka qui est à sa tête. Mais regardez maintenant. J'ai vu qu'ils ont décidé de lancer des mouvements. Oh non, les léopards, les supporters n'ont pas eu accès sur aucune ambassade. Mais mes chers frères, nous sommes quel peuple? Babouki babante na canal. J'ai encore revu le même compatriote on a autour de la Xabino Maman. À la image de Bazo Bouka Boukablo à canal. Botan de Bazo Bouka Bantena canal. Et puis là, le Bablo au Mibale Misa Totokene. Total. Plusieurs Congolais ont détruit leurs antennes paraboliques Canal+ suite à la colère contre la société qui n'a pas diffusé les affiches en soutien à la population de l'Est. Affaire Canal+ guerre à l'Est, CAN 2023, voici les actualités. 1. La direction Canal+ a publié un communiqué hier en disant qu'ils n'ont pas été décideurs sur les images qui ont été retransmises, mais dans leur communiqué, il n'y a malheureusement eu aucun mot sur la population de l'Est, ni un petit soutien verbal, ce qui laisse à désirer. Et malgré leur communiqué, les Congolais n'ont pas été convaincus par cela. C'est alors que plusieurs Congolais ont décidé de tourner le dos à Canal+, car ils considèrent comme complices à cause de leur silence face à la guerre à l'Est. De ce fait, plusieurs Congolais ont dit non au réabonnement Canal+, et plusieurs antennes paraboliques et décodeurs Canal+ ont été détruits. 2. Le président de la CAF a réagi face à tout cela. D'après lui, la CAF est touchée par ce qui arrive à la population de l'Est. Elle a même envoyé une délégation sur place et le secrétaire général de la CAF, sur la non-publication des messages de nos frères, il a déclaré que c'est difficile de dire s'ils étaient censurés ou pas. Et 3. Hier, le gouvernement de la RDC a décidé que les léopards de la RDC ne s'associeront plus aux activités de la solidarité de la CAF à cause de la diminution des espaces pour les supporters de la RDC, l'interdiction des supporters congolais d'accéder au stade et le refus de la publication des dénonciations de l'agression du Rwanda. La RDC ne quitte donc pas la CAF. Les activités sportives demeurent, seulement elle ne s'associera plus aux activités de solidarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui à 21h, la RDC jouera la petite finale contre l'Afrique du Sud à 21h. Je tiens au courant de la suite. Abonne-toi, c'était Tonton D. diffusé. Non. Ils sont allés casser les antennes des canals. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, dit la Bible. Ils sont allés casser les antennes des canals. D'abord, ce qu'il faut savoir, je ne suis pas avocat des canals, c'est que dans la diffusion de ce match-là, Canal Plus n'est pour rien. Canal n'est pour rien. Ce n'est pas Canal qui produit les matchs. Canal n'est qu'un diffuseur qui a acheté le droit. La production du match. C'est-à-dire que... Et ça l'a ramené Nini. À un moment donné, moi j'ai travaillé à Digital Congo. Et Frédéric Kintenge Kinkumba, qui était à l'époque DG de Digital, après aujourd'hui il est DG de Nyota. Frédéric avait signé un contrat avec la CAF. Il avait sa société, donc Nyota, qui produisait le match pour le compte de la CAF au niveau de la zone Centrafrique. Quand il y avait par exemple Léopard de Dolizy qui jouait, Mazembe V-Club, Frédéric amenait ce matériel. Il produit le match pour le compte de la CAF. Les images que vous allez voir à la télévision sont produites par l'équipe de Frédéric. Il prend le signal qu'il envoie sur satellite et la CAF récupère le signal. Maintenant, les chaînes de télévision qui veulent diffuser ces matchs-là vont acheter le signal là, auprès de la CAF. Comme Canal, Sat, RTNC, tralala. Vous allez acheter. Une fois que vous avez acheté le droit de diffuser les matchs, vous prenez le signal du match produit par les équipes de Canal. Donc, vous n'êtes pas responsable de ce qui passe à la télévision là, non. Vous mettez vos commentateurs à vous, mais les images sont produites par Canal, plutôt par la CAF. Mais vous allez casser les antennes de la CAF, des Canal. Canal à qu'est-ce que Canal a à voir? Baboy qu'on diffuse biso, baboy qu'on diffuse biso. C'est parce qu'on est émotif, mes chers frères. Nous sommes quel peuple? La réglementation à la matière est claire. Qu'est-ce que Kabulo faisait à Abidjan? Pour que le message passe, il va falloir au préalable que l'organisateur de la compétition donne son aval. Vous avez un incompétent comme Kabulo, Mwana Kabulo, qui a rempli son cabinet de ces bofs, de ces gendres, bananaye, bakokonaye, mibali ya bananaye, chômeur nyo surtout babala bananaye, bakomi na cabinet naye. Mais Kabulo a pris l'argent, il passe tout le temps à Abidjan là-bas. Pourquoi le Congo n'a pas réussi à entrer en contact avec les organisateurs pour que les organisateurs valident le message? Vous ne pouvez pas imposer aux gens. Mais ça, c'est de la diplomatie agissante. Qu'est-ce que Kabulo fait? Fati Beto. Qu'est-ce que Kabulo fait? Et je vois cet autre charlot ici des charlatans de Mouyaya vous dire, nous décidons de nous désolidariser. Et on ne participera plus à toutes les actions de solidarité. Bande d'incompétents. Bande de jouisseurs. Nous décidons de ne plus participer. Ça va changer quoi? Ne pas participer aux activités de la solidarité de la CAF là, et vous ramène la paix dans l'Est de la République. Un travail devait être fait en amont là-bas pour que le message des supporters passe. Il fallait faire valider ce message-là par rapport à l'organisateur. Pendant que vous criaillez, peut-être que Paul Kagame, qui a signé un accord avec la CAF pour le développement de la CAF dans les jours qui arrivent au Rwanda, lui, il a fait travailler en coulisses pour qu'on ne vous filme pas. Pour qu'on ne vous filme pas. Vous, bande d'incompétents, des jouisseurs, des détourneurs, vos fans, vos fonds, nous désolidarisons des jouisseurs inutiles qui sont au sommet de ce pays-là. Kabulo faisait quoi là-bas? Kabulo faisait quoi? Kabulo faisait quoi? Vous allez casser les antennes de Canal Sat. Canal Sat, il y a à produire matité. Canal Sat, il y a un organisateur à matité. Comme on est émotif, nos actions sont toujours mal orientées. Bouka antenne à Canal, bouka antenne à Canal Sat. Quel peuple sommes-nous? On vous embarque comme ça. On vous embarque comme ça. C'est pas Canal qui a produit ce match-là. Les images que vous voyez sur Canal ne sont pas les images de Canal, ni les caméras de Canal. Ce sont les images de la Confédération africaine qui le produit. Les autres ne viennent qu'acheter, ils prennent les signaux. Les images qui sont publiées, qui sont diffusées, sont décidées par la CAF. C'est pas Canal. Et on vous dit que tous les messages qui passent devraient être avalisés par l'organisateur. Est-ce que Kabulo est allé avaliser ces messages-là, des banderoles là? Kabulo est allé avaliser ça. Il fait quoi? Amemi babokilo laye, banalaye, banabalaba ba chômeur, bazumi sala la simalaye, cabinet tondi na banalaye na babokilo laye, amemi babona na Côte d'Ivoire. Et comme on est émotif, on vous amène des émotions. Bouka Canal, Bouka Canal, Bouka Canal. Allons même vers le fond. Et même ici, ces images-là étaient diffusées. Vous pensez que ça allait changer quoi? Allons même vers le fond. Si ces images-là étaient diffusées, vous pensez que ça allait changer quoi? Vos banderoles là, halte à la guerre, halte au Rwanda. Supposons que oui, bah décida qui va diffuser un groupe. Attends pendant 10 minutes. Vous pensez qu'aujourd'hui la guerre dans l'Est allait s'arrêter? Ça fait 2 ans qu'il y a la guerre en Russie, un peu plus d'ailleurs, je crois, presque 2 ans ou 2 ans. Mais tous les stades du monde entier ici diffusent des banderoles contre Vladimir Poutine. Tous les stades du monde entier. Guerre ici de la Ukraine. Les athlètes russes ont même été chassés des compétitions. Les équipes ont porté des bandeaux et tout ça à la gloire de l'Ukraine. Tous les médias du monde entier que vous voyez dans toutes les compétitions partout, c'était à la gloire de l'Ukraine contre Russie. Vladimir Poutine a quitté l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine est libérée parce qu'on avait montré les banderoles. Même si Canal avait diffusé ça, même si Canal avait diffusé, avec un soulard, un jouisseur à la tête de votre pays, un tembocrate, un chivaciste comme ça, mangeur de foufou, vous pensez que ceux qui va diffuser, qui va banderole, les logueurs ici, Bounagan allait être récupéré parce que Canal a diffusé ses essais. Attends. N'orientez quand même pas mal vos revendications. On est quel peuple? On est quel peuple? N'orientons pas, ne nous laissons pas distraire, mes chers frères. C'est de même qu'aujourd'hui je vois, vous vous multipliez dans les ambassades, vous détruisez les véhicules des gens dans les ambassades. Ils sont devant l'ambassade de la France, vous jetez des pierres dans des véhicules diplomatiques. Regardons ces images, soit disant, bah on soutenir total la image et puis tout en après, ok. On dit qu'on appelle Bino Pepa à Bango. Écoutez, tout sur ce plateau. J'ai vu que là, ils sont allés brûler les véhicules de la MONUSCO. Ils jettent des pierres sur tous les véhicules diplomatiques. Ils brûlent des histoires d'ambassades. Et qui sont derrière ça, mes chers frères? C'est le pouvoir, monsieur Escarmouche alias El Mouta Ngeleka. C'est lui. El Mouta Ngeleka. Ce sont les bandits là, les voyous des forces du progrès. Un pouvoir qui a une milice au sein de l'UDPS. Ce sont les forces du progrès. Ce sont les bandits de l'UDPS là, du force du progrès. Instrumentalisés par El Mouta Ngeleka lui-même en chef. Mes chers frères, ce monsieur a pris le pouvoir. 300 voyages à l'extérieur du pays. Un voyage vous coûte plus de 2 millions de dollars d'un président de la République. Ils nous ont parlé de la diplomatie agissante. L'argument était ceci. Quand on leur disait, vous ne pouvez pas dépenser près d'un milliard de dollars qu'un président de la République multiplie des voyages à l'extérieur comme ça. Ils nous ont dit quoi? Diplomatie agissante. Non, c'est la diplomatie agissante. Aujourd'hui, c'est le même patron de la diplomatie agissante qui nous a pillé de l'argent pour se promener comme un Magellan, à faire des tours du monde de la planète. C'est eux qui viennent maintenant vous instrumentaliser pour que vous alliez attaquer les ambassades. Où est le résultat de la diplomatie agissante? Où est? Où sont les résultats? Résultats Zawapi. Diplomatie agissante et Zawapi. Boukeko Toumba France, Boukeko Toumba na MONUSCO. Mais le type qui vous envoie, Escarmouche alias El Mouta Ngeleka, nous a pris près d'un milliard, presque un milliard, dans ce voyage inutile. Il allait se promener, montrer, partout il était en train de boire, à Zagam Pierre Kakenakom, président de la République. Ils nous ont dit que, quand on critiquait tous ces voyages ici, c'était quoi l'argument? C'était quoi l'argument? On ne peut pas rester. Le président de la République a mis en place une diplomatie agissante. Mais vous allez brûler les ambassades, pourquoi? Vous allez brûler les véhicules de la MONUSCO, des corps diplomatiques, pourquoi? Montrez-nous les résultats de la diplomatie agissante. Justifiez-nous des milliards que vous avez dépensés dans vos voyages inutiles, monsieur. Justifiez-nous ça. Diplomatie agissante et Kayouap. Et vous vous laissez embarquer. Vous pensez que le problème, c'est brûler les ambassades. Mes chers frères, nous sommes dans une politique de contournement, de détournement. Les vrais responsables sont tapis dans l'ombre. Ils sont en train de vous manipuler. Ils sont en train de vous manipuler. La guerre dans l'Est de la République, mes chers frères, ne s'arrêtera pas. Parce que vous avez brûlé les ambassades. Le responsable de la situation de sécurité dans laquelle nous sommes, le responsable de cette guerre, s'appelle Escarmouche alias El Mouta Ngeleka. Si vous voulez manifester, allez manifester à la cité de l'OIA. S'il faut brûler, allez brûler la cité de l'OIA. Qui vous a ramené la guerre dans l'Est de la République? C'est Félix Tshisekedi. Il est en train de vous distraire aujourd'hui. Tous les détournements, toute son incompétence, il se cache maintenant derrière le Rwanda, la guerre. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que nous devons tirer nos responsabilités. Je vous ai dit ça la dernière fois, mes chers frères. Le M23 était vaincu. Ils étaient là-bas, dans des cas de réfugiés en Ouganda. C'est lui, via Ibalan Kina, Serge Tshibangu. C'est eux qui sont allés chercher les M23. 16 mois. Qui vous a dit que Paul Kagame était son ami? C'est lui, c'est El Mouta Ngeleka. C'est lui. C'est lui qui l'a ramené. C'est lui qui a signé des accords et des contrats. Des gens qui se sont opposés comme Delphine Kayimbi. Il les a tués. Il les a tués. Il est en train de vous distraire, mes chers frères. Le Rwanda n'a pas que le Congo comme pays frontalier. Le Rwanda est frontalier au Burundi, il est frontalier à l'Ouganda, il est frontalier à la Tanzanie. C'est aussi des petits pays. Pourquoi on ne les attaque pas? Pourquoi c'est seulement vous? Tirons nos responsabilités. Vous n'aimez pas que je vous dise ça. Vous vous laissez aller comme des petits moutons. Ces messieurs cachent son incompétence en vous disant le problème c'est le Rwanda. Le problème maintenant, avant, Kabila me bloque, Kabila me bloque, Kabila me bloque. Et Longo Kabila me bloque est commis. Oh, le FCC et tout ça, tout ça. Et Longo FCC, oh, Covid, Covid, Covid. Les Longo la Covid est commis. Les Rwanda, les Rwanda, les Rwanda. Et Longo les Rwanda est commis. Les ambassades, la France, la Belgique. Mais quand est-ce que cet incompétent prendra ses responsabilités? Qu'avons-nous à faire avec la France, nous? Avons-nous élu la France comme président de la République? Avons-nous élu la Grande-Bretagne? Le président de ce pays s'appelle Escarmouche, El Mouta Ngeleka. C'est à lui qu'il faut demander des responsabilités. Et je vous dis en vous regardant dans les yeux, votre problème, c'est que ce monsieur est en train de vous tromper. C'est lui le responsable de ce qui arrive. Qu'il vous dise en 4 ans, en 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait de votre armée? Quelle réforme a-t-il menée? Il a détourné l'argent ici au vu de vous tous. Plus d'1 milliard de dollars américains détournés dans cette histoire des élections frauduleuses. Vous savez 1 milliard, combien ça peut remonter votre armée? Qui lui a demandé d'aller prendre des mercenaires roumains à qui il paye 5 000, 10 000 dollars? Qui? Les Burundais. Qui lui a demandé d'aller vous faire adhérer à l'EAC? Ça, c'est des questions importantes qu'il faut lui poser. Qui lui a demandé d'aller vous amener à l'EAC? Qui lui a demandé de vous amener Paul Kagame ici? Qui? A signé n'importe quoi, il nous ramène toutes les armées de la sous-région ici. Et puis Motolelo, il vous dit, oh, mais écoutez-le. Ce qu'il disait de Paul Kagame, écoutez-le. Il disait ça il y a 1 année, 2 ans ici. Attendez, n'ayez pas de mémoire courte, hein. Écoutez ce que ce monsieur qui vous envoie aujourd'hui aller brûler les ambassades. Brûler les ambassades. Écoutez lui-même dire parler de Paul Kagame. Tolandaï Mouta Ngeleka. Tolandaï. Et on va... Et ça, 30 secondes. Dribblez, on va t'attendre 3 fois. Comme ça, écoute Abino Lamoutou. Écoutons. Voilà. Mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Donc, il faut à un moment donné savoir qui. Voilà, mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Donc il faut à un moment donné, voilà, mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice. Et on est de retour sur ce plateau. Donc, ça, c'est lui qui parle, c'est lui. Vous pensez que le problème, c'est que dire tout le temps que Museveni, Paul Kagame sont des méchants, c'est lui qui parle. Cette interview-là date de seulement il y a aussi ces 2 ans ici, il n'y a pas longtemps, mes chers frères. Arrêtons d'être émotifs. Arrêtons d'être émotifs. Notre problème premier, ce n'est pas le Rwanda. Notre problème premier, notre ennemi, ce n'est pas le M23. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. La vérité, elle est celle-là. Se plaindre, dénoncer, accuser ne va jamais résoudre le problème de l'Est et de la République. Prenez les stylos, écrivez. Se plaindre, dénoncer, accuser comme vous le faites là, ne va jamais résoudre le problème dans l'Est de la République. Écrivez ça en gras. Allez vous plaindre comme vous voulez. Prenez des banderoles, dénoncez comme vous voulez. Accusez les Rwandais comme vous voulez. Allez brûler les ambassades comme vous voulez. Si vous pensez que ça là, ça va résoudre le problème. C'est lui qui vous dit ici que Paul Kagame, et ça ne va pas résoudre ce problème. Le problème sera résolu lorsque nous aurons des autorités responsables, capables de s'asseoir, d'étudier les problèmes à fond, de résoudre nos problèmes à nous, à l'intérieur du pays. Le Rwanda ne nous empêche pas de réformer notre armée. Ce n'est pas le Rwanda qui vous demande de voler l'argent de votre armée. Vous avez des militaires qui n'ont pas de bottines, mais vous avez des voyous que vous envoyez, que vous nommez dans vos parlements. Vous leur donnez 23 000 $. Aujourd'hui, j'apprends que pour la nouvelle législature, bah, vous préparez va foutre 33 000 $. Votre militaire qui va se battre, sa prime de guerre, par mois c'est 10 $, c'est 20 $. Mais des voyous que vous nommez comme ça, à l'Assemblée nationale pour ne rien faire, vous leur donnez 21 000 $. Et là, ils sont en train de se battre dans cette nouvelle législature, bah, comme à la 33 000 $. C'est Paul Kagame qui vous demande de faire ça, cette injustice-là. C'est le M23 qui vous empêche d'acheter des bottines pour vos militaires, d'organiser votre armée. C'est eux. C'est eux qui nous empêchent ça. Vous lancez un mouvement contre les ADF qui tue votre propre peuple, qui viole vos femmes et vos filles. L'argent sort dans les caisses de l'État. Votre propre parlement fait une enquête et vous dit, dans l'argent qui est sorti de la caisse de l'État, plus de la moitié de cet argent détourné dans les bureaux de Kinshasa. Le rapport est formel. Le parlement dit que cet argent, plus de la moitié, est resté dans les bureaux à Kinshasa. Qui est arrêté pour ça? Vous envoyez les pauvres militaires là-bas, sans rien. Vous sortez l'argent, vous bouffez ici. Vous mettez en place une clique, une bande de voleurs. La guerre, les gens sont en train de mourir. Nicolas Kazadi, un certain Bishop ici, c'est... Comment il... Attends, le nom va revenir. Shekina, si c'est Shekina. Les Boamunda et les autres détournent l'argent des militaires. Vous regardez, on n'arrête personne. C'est le Rwanda qui vous a demandé ça. C'est la France. Vous êtes allé brûler l'histoire devant la France. C'est la France. C'est la MONUSCO. C'est la MONUSCO. Nous ne prenons pas de bonnes décisions. Nous ne faisons pas de bonnes analyses. On est là à se plaindre. Se plaindre. J'ai dénoncé. Accusé. Ne revons jamais, jamais, jamais résoudre les problèmes de l'Est de la République. L'ennemi public, le responsable de cette guerre, c'est Félix Tshisekedi. Si vous voulez que je vous dise, c'est lui. Demandez des comptes à M. El Mouta Ngeleka. Demandez-lui des comptes. Dites-lui, cher monsieur, en 2019, quand tu prends le pouvoir, le M23 n'existe pas. Bounaga n'appartenait à la République démocratique du Congo. En 2019, quand tu prends le pouvoir, nous considérons Paul Kagame comme ennemi public numéro 1. La méfiance était totale. Qu'est-ce que tu as fait de tout ça? Commençons par lui poser ces questions. Qu'est-ce que tu as fait de ça, monsieur? Il ne peut pas se cacher. Il ne peut pas fuir ses responsabilités en train de vous instrumentaliser, en train de le Rwanda et le Rwanda. Non, 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 mes chers frères, non. Non, non. J'ai parlé de l'Ouganda ici. Il est ami à Museveni. Il fait les opérations contre les ADF avec Museveni. Mais les M23 ont pris Bounaga en passant par l'Ouganda. Qu'est-ce que vous allez dire? J'ai parlé de l'Angola, qui nous pompe le pétrole ici à Mwanda. J'ai parlé des Sud du Soudan. Même les Sud du Soudanais sont chez nous. Les Mororo que vous entendez, les Mororo, ils sont en train d'occuper, les pasteurs là, Mororo là, ils sont en train d'occuper des terres entières chez nous là-bas dans la province orientale. Ils sont là-bas. Les Mobondo qui tuent ici à l'entrée de la ville de Kinshasa. Les Mobondo. Les dollars qui aujourd'hui à 30, c'est Paul Kagame tout ça. C'est les M23. Et on ne veut pas qu'on leur dise ça. Si je dis ça, on dit, tu es Rwandais, tu es pro-Rwandais, tu es M23. Mais attends, ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Ils ne veulent pas de la vérité. La vérité est l'incompétence d'un homme. L'incompétence et l'inconscience d'un homme nous amènent dans cette situation. Cet homme, c'est El Mouta Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. C'est lui, monsieur Escarmouche. C'est lui qui nous avait dit que nous n'allons pas gagner cette guerre en présentant Paul Kagame. Donc c'est là la vidéo. Triplant cette fois-ci 4 fois. Et quand Abino Lamatou, comprenons, faisons le bon diagnostic avant de résoudre la maladie. Bolandai, l'ami de Paul Kagame. Toyoka. Voilà. Mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Donc il faut à un moment donné savoir qui... Voilà. Mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Donc il faut à un moment donné savoir qui... Voilà. Mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Donc il faut à un moment donné... Celui qui parle là, c'est pas votre président de la République. Celui qui parle là, c'est pas votre président de la République. Seigneur, protège-nous, fais-nous grâce. On est un peuple amorphe et motif qui s'est fait traîner comme des moutons comme ça. Seigneur, aide-nous. C'est quoi cette histoire? Vous voulez que ces pays-là viennent résoudre nos problèmes? Vous voulez que ce pays-là vienne prendre des décisions à votre place? Regardez votre propre gouvernement. Des gens qui sont au pouvoir. Au lieu de prendre des décisions, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Batcheboui. Mouyaya ici, c'est Charlot de Mouyaya. C'est charlatan. Batcheboui. Regardez les photos. Mais ça, ce sont des charlots, ces gens. Ce sont des charlots, ces gens. Ils pensent que la gestion de la République, c'est cette pitrerie ici. Cette bouffonnerie qui est installée en plein conseil des ministres. Vous pensez que ça c'est des gestes comme... Mes chers frères, ils sont au pouvoir pour prendre des décisions. Ils sont au pouvoir pour agir. Ils sont là pour se plaindre, pour dénoncer et pour accuser. Regardez ces gestes. Est-ce qu'un gouvernement responsable en plein conseil des ministres peut faire ça? Ils sont membres de la société civile. Là, c'est un geste de dénonciation. C'est un geste de dénonciation. Tous ces bouffons qui sont au pouvoir ici, posez-leur la question. Ils sont au gouvernement. Chacun vient étaler ici ses compétences. Non. Basu Bakangi, Bache Mindouk. Bache Mindouk, Bache Mindouk. Comme et ça, c'est ce qui va faire fuir les Rwandais. Ça. Ça, c'est cette piterie ici, qui, Mouyaya et tous les bouffons qui sont au gouvernement. Ça, c'est ce qui va faire fuir les Rwandais. C'est ça. Ils ont pris des engagements avec le M23. Ils ont pris des engagements avec Paul Kagame. En partant de leur chef lui-même, El Mouta Ngeleka. Ils nous ont mis dans la situation compliquée dans laquelle nous sommes. Ils sont incapables de résoudre. Et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est soi-disant de faire des bêtises comme ça. Un gouvernement responsable peut faire des choses comme ça. Nous n'attendons pas de la part de ces charlots ici, de la part de ces bouffons, nous n'attendons pas des piteries comme ça. Gérer la République, c'est pas une affaire de théâtre, c'est pas ça, c'est pas le théâtre. Ils sont au pouvoir, ils ont la force publique. Nous attendons qu'ils prennent des décisions, qu'ils réforment notre armée, qu'ils équipent notre armée, qu'ils aillent se battre pour nous récupérer le pays. Qu'ils nous sortent de cette situation compliquée dans laquelle eux, par leur incompétence et leur responsabilité, nous ont plongés. Mais nous n'attendons pas des bêtises des charlatans, de Mouyaya et de ses amis comme ça. Ils ont été nommés députés. La loi est claire. Lorsque vous êtes membre du gouvernement, vous êtes, il faut quitter le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils sont en train... Même la loi de leur pays, ils ne respectent pas ça. C'est Paul Kagame qui leur a dit de ne pas démissionner. C'est Kagame. Ils sont en train de chercher comment saisir un conseil d'État pour que le conseil d'État a permis Bango de démissionner. Mais attends. Ngeleka est bénéficiaire du troisième cycle électoral organisé par Kabila. En 2006, dans ce pays, Kouyagyalo a remplacé le premier ministre Nani Muzitu. Kouyagyalo était premier ministre intérimaire dans ce pays, moi je m'en souviendrai toujours. En 2011 ici, en 2011, des gens comme les Basile Longo, des gens comme des Basile Longo. Comment est-ce que des gens comme des Basile Longo sont devenus des ministres de l'Intérieur? Mais parce que les mots Vassakani et les autres étaient partis au Parlement. Ils ont démissionné en cascade. Nous avons insulté Kabila. Chaque jour qui passe nous montre que Kabila c'était un homme d'État. Il ne méritait pas toute la méchanceté dont il a été victime. C'était un homme d'État, ce monsieur. À 29 ans, il nous a sorti des situations compliquées. Tofingi, moi, c'est aussi ce baron le poussoir. Mais t'as là-bas jouisseur, eux. Ils refusent même de quitter le gouvernement, foulant au pied la loi. Foulant au pied la loi. Qu'est-ce que Mouyaya a fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait? La loi est claire. Ils ont été nommés députés. Beaucoup de parlements. Pourquoi ils ne démissionnent pas? Qu'est-ce qu'ils font au conseil des ministres? Donc, attends, Ngeleka est là en train de prendre sa chivasse et sa tembo comme si de rien n'était. Et ce sont ces aventuriers ici qui, au lieu de démissionner pour aller là où ils ont été nommés au Parlement, bande d'aventuriers. Des aventuriers comme ça, des bouffons. Petits charlatans de rien du tout. Qui font la honte de mon pays. Des aventuriers. Pas d'aventuriers. Il vous amène à aller brûler l'ambassade de France. Aller brûler les... C'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est l'ambassade de France qui vous empêche, vous là, d'aller... Pas possible ça. Réformez votre armée. Demandez des comptes à votre président El Mouta Ngeleka et Escarmouche. Posez des bons diagnostics. Arrêtez de suivre les mensonges de ces charlatans qui sont au pouvoir là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est bien triste. J'ai fait combien? 1 minute 20, 25? 20. 27? On va terminer l'émission par là aujourd'hui. J'avais encore d'autres questions à aborder, mais bon. C'est lundi. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire, mes chers frères, que la situation de notre pays est très compliquée. Que nous n'avons pas le droit de céder à la manipulation. Malheureusement, ce qui se passe, c'est une question de manipulation. Posons des bons diagnostics pour avoir des bons médicaments, pouvant nous aider à guérir et à sortir ce pays de la situation compliquée dans laquelle il se trouve. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain. Demain, c'est mardi. Oui, je vous retrouve demain. Ça sera peut-être pour une interview, peut-être pour une émission, peut-être pour... oui, Bon, je ne promets pas. Je vous retrouve prochainement. Les aléas de ma situation peut aussi faire que... Bon, retrouvons-nous lors des prochains numéros. Bonsoir et merci à vous de nous avoir suivis. Bye. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé... J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit... J'ai réservé la première au peuple congolais, à Tchangu tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette... parodie d'opposition. L'alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour positionner, repositionner le M23. Donc vous comprenez que J'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23, parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisa si congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis la chambre, les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis Bopé sans autorisation parce que c'est la Constitution qui le dit. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités au jeu de Bobangate. Les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Ça, c'est... Je recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonsi.